Hey, salut à vous autres. Aujourd'hui, Arvaise nous présente son cours de papalogie 101 édition Angus. Les jokes de papa sont plus drôles lorsqu'elles sont racontées à côté du barbecue. Faux. Elles sont drôles tout le temps. Parler de ses sentiments avec ses chums de gars devient plus facile quand on regarde tous ensemble une galette grillée. Réalité. Mais on peut aussi en parler pendant qu'on regarde le gazon pousser, pendant qu'on surveille les enfants au parc, à l'épicerie avec la caissière. C'est quoi la meilleure joke de ton répertoire? Comment on appelle ça un beau papa barbu qui aime les burgers? Un barbecue! C'est bon, hein? Le but d'Alain Côté, bon ou pas? Hey, je viens de Montréal, moi! Qu'est-ce que t'en penses? Nettoyer la grille du barbecue est un exercice spirituel. Vrai. S'occuper du barbecue signifie automatiquement appeler toutes les bières des petites frettes. Mythe. Toutes les bières sont toujours des petites frettes. Qu'est-ce qui bénéficie le plus de la cuisson au barbecue? Les galettes de viande ou les boulettes végétariennes? C'est moi qui bénéficie le plus de la cuisson au barbecue. Au charbon de bois ou au gaz? Mais au charbon de bois. Comme ça, là, tu peux recycler tes restants puis mettre ça dans un bon Noël de tes enfants. C'est quoi, toi, ton truc secret pour une galette parfaite? Il y en a plusieurs. Le temps de cuisson, les ingrédients, le niveau de cuisson. Mais si tu veux savoir le vrai secret, c'est d'aller chez Harvey's. Merci d'avoir complété votre formation de papalogie 101 et maintenant, vous méritez un Angus fromage bacon. Hey, salut à vous autres, ici le papa officiel de Harvey's pour vous dire que si vous voulez plus de contenu exclusif, abonnez-vous et cliquez sur le lien ici. Je sais pas où est-ce qu'il est, mais je vous fais confiance.